Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler restauration de réservoir avec les super kits de chez Rastom. Donc en fait, pour la petite histoire, ma moto elle est assez ancienne, elle est de 94, elle a connu pas mal de propriétaires. Et suite à un échange que j'ai fait de janvier à mai 2019, là, donc 5 mois où la moto n'a pas tourné, elle est restée sur sa béquille et en fait, quand je suis revenu, il y a eu deux cloques de peinture qui sont apparues sur le côté gauche. Les deux cloques de peinture, elles sont synonymes de mini trous induites par la rouille qui se propageaient à l'intérieur du réservoir. En fait, l'essence s'infiltrait et faisait cloquer la peinture. Quand c'est comme ça, faut pas chercher à camoufler les trous ou à faire un traitement temporaire. Faut vraiment faire un traitement général avec les kits justement Rastom qui va redonner une nouvelle vie au réservoir. Et on va tout de suite passer à la première étape. Donc dans mon cas, j'avais envie de faire les choses bien et j'ai voulu à tout prix reboucher les petits trous. Alors normalement, il faut reboucher les trous quand ils dépassent 0,2 mm puisque sinon la résine coulerait à travers ces trous-là. Et dans mon cas, comme j'ai voulu faire les choses bien avec du matériel pro, on a fait une brasure à l'argent avec du matériel professionnel. On a bien meulé, bien rendu, bien net, et à la fin on a même fait un contrôle non destructif pour voir si le trou était bien rebouché. Pour boucher les trous, il y a plusieurs options suivant vos moyens, vos compétences et votre réservoir. Ça va de la brasure à l'étain, à l'argent, au chalumeau et même au TIG. Passons maintenant à l'étape numéro 2 qui est optionnelle. Enfin, dans mon cas, elle n'était pas optionnelle puisque du coup, comme on avait fait un traitement sur les trous en surface, la peinture était à refaire et puis de toute manière, elle n'était pas en bon état, donc c'était un bon moyen de changer de couleur de moto. Donc on commence par enlever les protections de réservoir et les stickers de décoration au décapeur thermique. Puis après, pour enlever la peinture, plusieurs moyens existent. Et on a le produit chimique qui va venir faire craquer la peinture. C'est la première fois que j'utilisais ça, c'était une vieille bouteille qui traînait dans le garage. Et faut avouer que c'est assez pratique. Après, pour tout ce qui est finition, évidemment, on va poncer ou y aller à la meuleuse avec des brosses métalliques ou directement dans sa banque. Si vous n'avez pas refaire de peinture parce qu'elle est déjà en bon état la vôtre, je tiens quand même à le préciser, les produits Rastom qu'on va utiliser ils sont assez violents et si vous mettez une trace que vous séchez pas immédiatement sur votre réservoir, ça risque d'abîmer votre peinture. Bon, en général, quand on refait le réservoir, c'est qu'après on va refaire la peinture parce que c'est le début d'une restauration. Faites très attention si votre peinture, vous ne pensiez pas la refaire. On en vient maintenant à la troisième étape qui est la création des bouchons pour pouvoir travailler sur le réservoir. Donc en fait, moi j'ai assez de la chance, sur le bas du réservoir, j'ai une tôle plate avec deux trous qui correspondent aux deux trous de fixation du robinet. Donc ce que je vais simplement faire, c'est prendre une petite plaque en acier, je vais la découper, y percer deux trous au même espacement que les trous du robinet, et après avec une chambre à air et deux vis de fixation qui se visent directement dans le réservoir, on va assurer une étanchéité parfaite du bas du réservoir. Étant donné que j'arrivais pas à faire l'étanchéité du bouchon avec une chambre à air et puis bah, des Serflex, j'ai remis le bouchon d'origine, j'ai juste badigeonné WD-40 pour éviter qu'il se prenne de l'acide, du dégraissant, etc. et qu'il n'aille pas très bien au niveau du joint. Mais au pire, ça fera un petit joint qui est déjà assez sec à changer. Alors comment ça se passe les traitements de réservoir? Pour ma part, j'ai un réservoir de 17 litres, donc j'ai un super kit de 15 à 25 bah, pour litres justement. On va avoir la petite touillette pour pouvoir faire le mélange de résine. Tout ce qui est notice, moi ça tient sur une page A4. Là on a le super dégraissant, donc le premier produit à mettre. Là on va avoir le dérouillant, donc ce qui va enlever la rouille et la neutraliser, puisqu'en fait c'est une solution à base d'acide phosphorique, hein. C'est les propriétés de l'acide phosphorique justement. Et la résine, donc durcisseur et résine, et elles sont déjà dosées, donc il y a juste à ouvrir, mélanger et puis verser dans le réservoir. La première étape elle est assez simple, hein, c'est de mettre le super dégraissant avec de l'eau chaude, donc ici on a 5 litres d'eau qui était en train de bouillir à l'instant pour un réservoir de 5 à 25 litres, donc c'est mon cas, 0,5 litres de Rastom SDT 460 plus 5 litres d'eau très chaude. Pour s'assurer que notre petit bouchon en bas il est étanche, on va tout simplement mettre en premier que de l'eau parce qu'on va pas gâcher du produit qui risquerait de partir. Ah oui oui, c'est très chaud. Ah, je me suis brûlé. Ça coule pas, donc on va pouvoir y aller. Donc faites attention à ça, hein. C'est quand même assez puissant. Sachant que une fois que le produit a été utilisé, vous pouvez le réutiliser en le filtrant. Dans mon cas, comme j'ai quand même pas mal de rouille et que je veux faire les choses bien, je vais mettre des boulons. Et en agitant mon super réservoir, ça va permettre en fait de décoller la rouille. Donc je mets des gros boulons, hein. Je mets pas des petits parce que sinon je vais galérer après pour les retrouver. Des écrous neufs de préférence, histoire qu'ils soient pas rouillés. Ça chauffe tellement les mains que je vais devoir prendre des gants de soudeur.
Bon, vu que le traitement c'est 5 heures et qu'il est déjà 21h, ce que je vais faire c'est que jusqu'à minuit je vais l'agiter toutes les 20 minutes, 15 minutes, en le posant à chaque fois dans un sens différent justement pour que le produit il aille sur toutes les parois, même en haut. Puis bah je vais laisser continuer toute la nuit tranquillement et puis demain matin à 7h dès l'aube, bah j'enlèverai le produit et puis après on passera à la suite. Donc voilà, le produit il a agi pour une nuit entière, au final pas que 5 heures. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va vider le produit et on va le garder, le mettre dans un bidon de 5 litres parce qu'il peut être utilisé pour plus tard ou pour le même réservoir si ça n'a pas bien marché. Et donc avant de le vider, je rajoute totalement le bidon pour bien enlever tout ce qui a pu se déposer pendant la nuit. Il n'y en a plus. On arrive à l'étape numéro 5. En fait, c'est de rincer le réservoir après avoir appliqué le super dégraissant. Moi, j'ai décidé de faire ça pour être sûr vraiment d'enlever tous les dépôts qui auraient pu être décollés par le super dégraissant, mais qui ne soient pas partis quand j'ai vidé le réservoir. L'idée, c'était vraiment d'avoir un réservoir propre et sec pour que l'acide, la deuxième solution du coup, attaque directement la rouille et ne soit pas gêné par le premier produit. Pour faire sécher, c'est très simple. Décapeur thermique, coup de soufflette après, et de l'acétone pour évaporer vraiment toute l'eau qui reste. La prochaine étape, c'est le dérouillant phosphatant. Bon, c'est la formule Restom, mais majoritairement c'est l'acide phosphorique. Donc là, attention, hein, des gants, des lunettes, parce que est-ce qu'on va perdre un œil? Non. Dans notre super notice, pour mon réservoir, ils disent 1 demi-litre d'eau, donc là 500 ml, 50-50, on va verser ça, tout ça, dans mon réservoir. Donc hop, on va commencer par l'eau. Je viens de sécher mon réservoir et je remets de l'eau dedans. Et après l'acide, pas d'odeur particulière. A savoir que l'acide phosphorique, c'est pas quelque chose qui se trouve dans le commerce, genre des bouteilles d'acide phosphorique, ça existe pas quoi. C'est vraiment dans des produits ou en achetant sur internet, je sais pas trop. Et bien sûr, hein, j'avais mis mon petit bouchon derrière. Et là, normalement, c'est entre une demi-heure et une heure, agité. Faire agir le produit. Donc là moi je vais le laisser reposer dans ce sens là puisque la rouille elle est vraiment en bas et je vais ranger le garage rapidement et puis je vais revenir agiter toutes les 10 minutes à peu près. Au final je l'ai mis dans le garage pour y avoir accès plus facilement, pour le remuer plus souvent puisque dehors il fait un peu chaud et j'avais la tôle qui chauffait et si le produit, enfin l'acide phosphorique sèche, il se cristallise, ça fait des cristaux quoi et ça c'est vraiment pas bon du tout. Faut absolument pas qu'il sèche, donc faut le remuer toutes les 5 minutes, imbiber toutes les parois, faut pas que ça sèche. Donc voilà, après 2 heures d'action de l'acide phosphorique dans le réservoir où j'agitais justement pour pas que ça sèche à l'intérieur, toujours protégé évidemment, on va pouvoir passer à la suite du traitement. Et fait notable ici, du coup il y a eu la brasure argent, hein, on la voit ici pour reboucher le trou. Ici ça sointe pas, mais l'autre côté, donc en fait c'était aussi rouillé l'autre côté puisque... Ouais, cette petite goutte là, c'est une goutte d'acide qui est sortie du réservoir quand on était dans cette position là. Parce qu'en fait, l'acide a tellement attaqué la tôle que aux endroits où elle était fragile, bah ça refait des. Enfin, ça a pas refait, ça a fait des trous. Là, on en voit un tout petit trou. Ça, c'est pas des trous vraiment dérangeants à l'application de la résine, elle va pas couler par là. Par contre, on va assurer le coup, on va les scotcher quand même, comme ça, ça va maintenir la résine, même si je suis sûr que par rapport à la viscosité, elle va jamais sortir. On va voir à la lampe torche si ça a bien fait l'effet, j'espère quand même. Ok, d'accord. Donc là, il y a vraiment. Quasiment zéro trace de rouille. Oh, c'est impressionnant. L'acide phosphorique, big up à toi. Alors cette fois-ci, l'étape rincer le réservoir est très importante. Il faut bien le rincer pour enlever tout le produit dérouillant, puisque c'est l'étape juste avant d'appliquer la résine. Donc évidemment, il faut le rincer, mais surtout bien le sécher à la méthode soufflette, décapeur thermique et acétone. Il faut surtout pas que ça soit humide, sinon ça empêche que la résine accroche bien au réservoir. Maintenant on va passer à la partie résine, donc on a besoin de la résine, du durcisseur, un contenant propre qui va nous servir à bien mélanger la résine pendant 4 à 5 minutes et qui va permettre d'en perdre le moins possible quand on va verser dans le réservoir, et la tuyette qui était fournie dans le kit. Donc ce qui est bien c'est que tout est déjà dosé en fait, donc on va s'occuper de la partie résine en premier. Hop, je verse ça directement, gaiement même. Hop, et la partie durcisseur. On en a un peu qui est collé là. Hop.
Et là, on est parti pour agiter pendant 4 minutes. Donc évidemment, préalablement, j'ai refermé avec un petit système de joint que j'avais fait le robinet du bas. Ce qui a débordé, on l'essuie. J'ai oublié de boucher là où il y avait les trous. Ça devrait accrocher normalement. Bon là, le but, c'est vraiment de napper la résine vraiment partout sur tout le réservoir. Donc au début, quand elle est encore bien liquide, on va changer la position du réservoir toutes les 5 minutes. Donc là, j'attends tranquillement. Après, je le mettrai dans l'autre sens. Après, je le mettrai sur ce flanc-là, sur l'autre flanc. Je le mettrai aussi au-dessus, c'est important. Et afin de justement bien répartir la résine tout partout, puis une fois qu'on aura fait ce premier nappage qui va durer environ 30 minutes, on refera la même chose dans le même sens, mais là, on espacera de 10-15 minutes les retournements de réservoir. Voilà, on est quasiment 3 mois après la fin du traitement. Donc la vidéo s'était arrêtée ici où le réservoir était en train de tourner. Depuis du coup, il s'est quasiment passé 3 mois. J'ai attendu 7 jours, enfin un peu plus, une dizaine de jours, avant de remettre de l'essence dans le réservoir, le temps que la résine soit bien prise. Comme on peut le voir, la moto a un petit peu changé de couleur et de look. Je vais revenir sur l'application de la résine. En fait, moi je l'avais fait quand il faisait un peu chaud, c'était pendant l'été. En fait, je pensais ne pas avoir mis de la résine partout parce qu'elle était devenue trop visqueuse avec le temps, au bout de même une demi-heure, et que j'arrivais pas à bien l'étaler. C'est notamment dû à la forme de mon réservoir qui fait une sorte de U comme ça à l'intérieur. Si vous avez un réservoir beaucoup plus arrondi comme ce type là, il n'y a pas de problème pour l'application de la résine. Mais voilà, faut bien faire attention à l'application de la résine, bien tourner le réservoir dans tous les sens et s'assurer que la résine va partout. Donc concernant tout ce qui va être restum, j'ai vraiment été surpris par la qualité et l'efficacité du produit en fait. Le dégraissant qui vient enlever vraiment toute la merde qu'il y avait dans le réservoir, il n'y avait plus d'odeur en fait après l'application du dégraissant. La solution dérouillante à base d'acide phosphorique qui permet d'enlever la rouille, il y avait de la rouille et au bout d'une demi-heure d'application du produit, il n'y avait vraiment plus rien. J'ai pas montré l'avant après, mais vraiment l'après était un métal nu, nickel, comme neuf on va dire. Et quasiment 3 mois après l'application du produit et après l'application de la résine, la rouille n'existe pas, elle est vraiment pas revenue. Donc la résine a bien fait son rôle, elle protège tout le réservoir. Donc là évidemment on a un petit peu de rouille, bah c'est là où justement j'ai pas pu appliquer de résine. Et puis même si à cause de la rouille il y aurait eu une fuite, on l'aurait vu parce que ici c'est la peinture pour portail, c'est pas la peinture de carrossier, donc ça aurait fait des traces. C'est pas compliqué à faire, faut juste être très rigoureux, surtout sur l'application de la résine à la fin où même moi, on va dire, alors que je fais un tuto, j'ai failli me foirer. Si je devais conclure par rapport au produit Restum, donc super produit, marque française, ça dépote. Et puis, bah voilà, c'est à peu près les seuls sur le marché à proposer quelque chose qui permet de restaurer les réservoirs. C'est utilisé par des restaurateurs pour les mobilettes, pour les motos anciennes, même pour la voiture, ils ont plein de produits. Je vous mets le site en description, encore merci à eux. Et concernant moi, c'est le retour des vidéos. Je vais ramener cette moto là où je fais mes études en fait. Là, j'étais sans moto depuis 2 mois. J'ai pas mal de vidéos sur le feu. Faut que je retrouve un peu la motivation et puis ça va ressortir. On va parler de la peinture, de la déco. Il y a aussi l'installation du Powish. Il y a ça aussi, nouvelle moto, j'en dis pas plus. Donc voilà, lâchez votre petite cloche, votre abonnement ou vos commentaires. Et puis on se dit à très vite. Ciao, ciao.